Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo pour ce défi du mois de décembre dans le cadre de mes 1000 abonnés. Donc ce petit fil rouge où je vous proposais de réaliser 12 petites créations qui tiennent sur une page. Nous sommes toujours avec la collection Show & Flower et là je vous propose la petite technique avec le papier pour masquer l'oiseau. Donc moi j'ai pris le petit oiseau avec sa branche et ensuite je vais venir ajouter un élément de décoration qui va de ce fait passer en second plan. Ensuite, je rajoute quelques flocons sur le côté de ma création pour donner un petit peu de texture à mon fond. Et je retire le petit papier de masquage. Vous voyez, mon oiseau qui a été tamponné en premier grâce à cette technique passe au premier plan et pas en arrière-plan comme il aurait pu être possible si on n'avait pas fait ce petit papier. Donc là, coloriage aux aquarelles. J'utilise encore les aquarelles Isaro qui sont assorties à cette nouvelle collection de chez Show & Flowers. Et je vous laisse regarder simplement la partie coloriage. Donc là j'arrive à la fin de mon petit coloriage, je fais ma petite boîte aux lettres dans des tons de gris et de bleu. J'aime beaucoup cette couleur donc je la mets souvent. Là je retire mon petit scotch qui empêchait d'aller sur la création d'à côté. Et avec un petit feutre Posca bleu métallisé, je viens repasser sur les traits de mes flocons. A l'aide d'un Posca blanc avec une pointe fine, je refais des petits traits de lumière pour redonner un petit peu de légèreté à la création. Et voilà, donc nous avons terminé ce 12e défi. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de m'envoyer par mail la photo de vos créations pour comptabiliser vos participations à mon petit concours. Les informations sont en barre d'infos. En tout cas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve à la rentrée pour le tirage au sort. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.